que ce village, je l'ai fréquenté avec surtout la première génération des enfants qui y ont été hébergés. Entre le village et la Sika Bawop, nous n'étions qu'un seul quartier. Nous faisions tout ensemble avec cette première génération. On fréquentait la même école de football, on faisait les mêmes activités de jeunes. Et aujourd'hui, que Dieu a fait que nous avons la possibilité d'y revenir, je ne peux que rendre grâce à Dieu d'être revenu ici, qui a été un lieu vraiment symbolique pour nous, parce que nous avons vu comment est-ce que le village a pu, dans sa mission noble de protection des enfants et de leurs droits, former de vrais hommes que je rencontre souvent, d'ailleurs dans le cadre de mes activités, aussi bien aujourd'hui au sein de l'OFOR que dans le cadre de ma vie de banquier. Et ce que j'ai pu constater après nos échanges, c'est que le village n'a rien perdu de sa vitalité, de sa rigueur, parce qu'il y a beaucoup de rigueur à l'intérieur. Nous avons vu que les enfants étaient très bien encadrés par des personnes qui sont très bien formées, bien outillées dans l'éducation et la protection. Donc, nous sommes très contents d'être là aujourd'hui, d'avoir fait ce geste d'accompagnement pour l'ouverture des classes avec une dotation symbolique pour une première fois, et que j'ai même demandé à mes services de bien vouloir institutionnaliser cette démarche. C'est que le village, dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, puisse être accompagné chaque année. Alors, je suis aussi heureux de constater que la commune fait beaucoup, et c'est important de le relever. Mais en tant que aussi habitant de la localité, demanderai en tout cas à ce qu'on fasse plus, parce qu'ils le méritent, et c'est que nos enfants qui sont là. Donc nous sommes très 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 heureux d'être là aujourd'hui, et c'est avec beaucoup de cœur que nous faisons ce geste-là à l'endroit du village.